Vi ska långt ut i Paris ytterkanter till en helt anonym byggnad. Det finns ingen skylt som avslöjar vem som jobbar här. Det är först inne vid postlådorna man kan ana att Frankrikes mest berömda satirtidning har sin adress här. Det finns en orsak till att det är så. Vi återkommer till den lite senare. Vi har kommit hit på en måndag. Det är idag tecknarna ska tecknas och pennan ryker. Den mest träffsäkra teckningen kommer att få plats på tidningens framsida. Et le lundi, c'est un exercice particulier. C'est trouver un dessin choc qui peut faire la couverture. Chaque jour a une activité différente. Le lundi, c'est vraiment le choix des dessins. C'est un petit peu plus stressant parce qu'on doit rendre à l'heure. Il y a une échéance, une heure à laquelle on doit terminer. Mais sinon, c'est pas plus dur. C'est un exercice différent que les autres jours. I det här rummet sitter några av Frankrikes största tecknare. Riz är här, Luz är här och Fools är här. Och den internationella stjärnan Cabu har låtit meddela att han kommer lite senare. Det är deadline 16:00 och sen går tidningen i tryck. Le but d'un dessinateur Charlie, c'est de faire d'être de rendre la société légère là où elle n'est pas du tout. Là où il y a les pesanteurs sociales, économiques, religieuses, morales qui nous oppressent. Nous, on est là pour désoppresser, je pense. Et la réaction que je cherche le plus, c'est que quelqu'un rigole, que quelqu'un rit et que quelqu'un voit dans un dessin quelque chose qu'il n'a pas vu dans l'actualité normale. Je pense que l'humour a la possibilité de donner un point de vue beaucoup plus large que le point de vue du sérieux, que le point de vue de l'information, qui est utile parce qu'on en a absolument besoin d'un point de vue sérieux, mais l'humour, c'est le moyen de faire tomber les masques, et nous, on est là pour faire tomber les masques. Kampen om framsidan är en hård tävlan mellan superstjärnor som i flera årtionden har tecknat vassa porträtt av det franska samhället. Älsklingsoffren är religion av alla slag samt maktmänniskor inom ekonomi och politik. Alla på tidningen är starkt vänsterorienterade och uttalade ateister. Så fort en tecknare har ett förslag på veckans framsida hamnar bilden upp på bokhyllan så alla kan se den. Qu'est-ce que c'est un mauvais dessin? Un mauvais dessin? Bah c'est un peu l'idée la plus simple, la première idée qui est venue, qui est un peu un peu comme ça, puis par paresse, ou on le fait quand même, voilà, mais ça je le fais pas, non, mais disons que les premières idées qui viennent sont souvent les moins bonnes, donc il faut parfois se forcer à creuser un peu, quoi. Faut pas avoir la même idée que des gens qui lisent, parce que sinon ça sert à rien d'acheter le journal, quoi. Est-ce qu'il y a des semaines comme dessinateur qui sont plus faciles que les autres, ouais, c'est des idées pareil, comme, ouais, si le pape, la mort du pape, c'est bien, mais comme il meurt pas toutes les semaines, bah, il faut trouver des choses, des fois plus la mort du président, c'est toujours bien aussi, c'est plus facile, quoi. För ett drygt år sedan förändrades livet för många av tidningens medarbetare. Då blev tidningen utsatt för ett attentat i form av en molotovcocktail som förstörde tidningens lokaler. Det var en framsida med en teckning på Mohammed som var orsak till attentatet. Det var visserligen inte fråga om den första teckningen av Mohammed i Charlie Hebdos historia. Men han hade aldrig tidigare förekommit på tidningens framsida. Attentatet efterföljdes av mordhot mot redaktören och flera av tecknarna. Ça m'inspire que on avait raison de faire le numéro qu'on a fait et on a raison de continuer à chier à la gueule des islamistes et leur pourrir la vie autant qu'ils nous la pourrissent. Idag har mordhoten ebbat ut, men redaktören och två andra tecknare lever fortfarande under polisbeskydd. De blir varje dag hämtade och lämnade av den franska polisen. Men detta hindrar ändå inte tecknarna från att fortsätta med det de gör. Moi je ne céderai en rien à qui que ce soit, c'est-à-dire que si la menace est, si y a des menaces sérieuses de on va te tuer, on va te brûler, on va te je ne sais quoi, comme il y a eu l'année dernière, je m'en fous, c'est pas que je m'en fous, c'est que j'ai pas le choix, c'est que je veux pas vivre comme eux-mêmes vivent, c'est-à-dire ils essayent de nous faire vivre comme des rats, ils essayent de nous faire vivre dans des caves, comme eux-mêmes vivent cachés et vivent dans la clandestinité et voudraient que le monde entier vive. Et moi j'ai pas envie de suivre les règles d'une autre religion ou d'un parti ou d'une idéologie qui est pas la mienne, et donc je continuerai à faire ce que j'ai à faire. J'en rajouterai pas, je vais pas faire exprès toutes les semaines de faire un dessin sur l'islam uniquement pour provoquer les 50 cons qu'il y a en France, mais le jour où j'ai envie de le faire, je le fais et rien ne m'arrêtera.
På Charlie Hebdos redaktion i utkanten av Paris har veteranen Cabu dykt upp. Fashionabelt sent. Han har nu 2 timmar på sig att komma med förslag till tidningens framsida. Cabu har tecknat politisk satir i 50 år och upplevt många förändringar i branschen. Bland annat att politikerna inte längre bryr sig om och drar tecknarna inför rätta. Avant, quelquefois, on avait des procès. Et aujourd'hui, il n'y a plus de procès parce que les hommes politiques affectent de rire ou ignorent ce qu'on fait, ou bien on fait semblant de ne pas avoir vu, quoi. Voilà. Le dernier qui fait des procès, c'est encore Le Pen. Le Pen ou sa fille maintenant. Mais les autres ne font plus de procès politiques. Charlie Hebdos roll i det franska samhället är som ett busigt barn som inte vill lämna de vuxna i fred. Även om rättssakerna har blivit färre med tiden är de fortfarande en fast utgift i tidningens budget. För tidningen har faktiskt inget emot att bli dragen inför rätta. S'il y a plus de procès, ça peut être inquiétant dans le sens où on est plus subversif ou en tout cas plus personne nous lit ou on énerve plus personne, c'est un peu dommage, ça veut dire qu'on s'est ramolli nous-mêmes, ça peut être une explication. L'autre explication aussi, c'est que les politiques ou les gens qui habituellement nous attaquent sont devenus plus intelligents. C'est-à-dire que nous attaquer quand les associations musulmanes nous attaquent, quelle est la conséquence principale? C'est de nous faire vendre 10 fois plus ou 100 fois plus que ce qu'on vend d'habitude. Quand on nous incendie, quelle est la conséquence principale? C'est qu'on vend 20 fois plus que ce qu'on vend d'habitude. Alors c'est à double tranchant. Si on parle pas de nous, on est triste parce que on a l'impression de faire des choses un peu trop modérées. Men det är faktiskt inte så lätt att bli dragen inför rätta i Frankrike. Yttrandefriheten är stark i landet och Frankrike har inte heller någon hädelseparagraf. La liberté d'expression en France est bien garantie et elle est bien garantie à condition qu'on s'en serve. Et Charlie Hebdo s'en sert. Et ce que je déplore chez les autres journaux, c'est qu'ils n'utilisent pas la liberté d'expression qui existe. Et donc, ils sont un peu en dessous de la loi, en dessous des limites possibles. Les journalistes politiques ne s'engueulent jamais avec des politiques. Ils partent en vacances, en tout cas en France, il y a des journalistes qui partent en vacances avec des politiques, il y a des journalistes qui dînent avec les politiques, il y a des journalistes qui couchent avec les politiques. Et la plupart des journalistes en France, en tout cas les plus connus, sont des mange-merdes. Donc, c'est pas ce boulot-là qu'on veut faire du tout. Väggen i det gemensamma kontoret är full med förslag till nästa veckas framsida. Ett av veckans favoritämnen är den ryska gruppen Pussy Riot. Ett annat är den heta debatten om romerna i Frankrike. C'est l'actualité en général et surtout l'actualité qui nous marque le plus nous. Et c'est vrai qu'on se sent assez proche des Pussy Riot, étant donné qu'elles ont été clairement condamnées pour blasphème et que nous, on a essayé aussi de nous condamner pour blasphème. Sauf que la Russie de Poutine n'est pas la France. Et voilà. Men finns det några goda kandidater för framsidan? Ah oui, ça va bien. Même si d'habitude, il peut arriver qu'il y en a beaucoup plus encore. Le journal doit être chez l'imprimeur à 7h ce soir. Donc pour laisser le temps aux maquettistes de mettre en page et tout ça, on le choisit assez tôt, enfin on le choisit à 4h. Mais après, il y a encore jusqu'à 7h pour pouvoir... Et pareil, si l'actualité change, s'il y a un gros événement qui arrive d'ici 7h, on peut changer. Et si vraiment, vraiment ça arrive à 7h, on peut demander un délai supplémentaire à l'imprimeur. Exakt klockan 4 reser sig redaktören Charb från sin stol och väljer 7 teckningar som han tycker är de bästa kandidaterna för framsidan. Resten avgörs gemensamt. Tignos, rapproche-toi pour donner ton avis. Ebes aussi, donne ton avis. Et Fools, pour une fois que t'es en France. The Grand Old Man Cabu som kom släntrande 2 timmar före deadline har bidragit med hela 2 teckningar av dessa 7. Moi j'aime bien le Tignous et le Cabu. Lequel? Celui-là, monsieur. Ils sont où ces yeux? Oh, il regarde les filles en fait. Il regarde les filles. Là, tu vois. C'est qu'il a les yeux bleus alors. Très clair, tu vois. Ah oui, il a les yeux bleus, il regarde. Non, mais nous, on s'est pas chier. Ah oui! Ceci, ah oui, ouais. C'est bon. C'est moins bien maintenant, je trouve. Ah bon? Si, c'est bien. Son visage, c'est un peu statue, tu vois. Il est un peu... Enfin bon, bref. Non. Ça, c'est les dessins de Cabu, tu sais, ils sont toujours un peu statiques. C'est, ah c'est oui, le c'est problème vrai. De Cabu. Bon, on va faire ça. Taïeb. Hein?
va grossir un peu ça. Allez, tu peux aller en paix. Så Cabus teckning får den ärfyllda platsen på tidningens framsida och de andra sex blir tryckta på baksidan. Sånt är livet när man konkurrerar med de bästa. Nu ska teckningen bara färgläggas, skannas in och så ska tidningen i tryck och ut på gatan. Great! Och så har det gått ännu en vecka i Charlie Hebdos liv.